danser là, danser, danser. Laisse-moi d'abord parler en Zébi. Bon, mon casseur, mon yafoulaï, mon diabou, beaucoup de gens qui ont été en train de se faire, 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 qui ont été en train de se faire. Je pense que c'est celle-là ou ce n'est pas celle-là. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Vous voulez voir tout à l'heure. Mais avant que de la voir, je voulais dire un mot en français parce que j'ai parlé en Zébi. Celle-là,
c'est la plus belle fille du quartier, de ce quartier d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Celle-là. C'est vrai. Oui. Oui, je merci. Elle est très belle. Elle est charmante. Elle est attirante. Elle est avenante. Il ne peut pas nier. Elle est chatoyante. Naturellement, comme tu la vois avec une femme. Donc, si tu vois la beauté, oui. La beauté qui est derrière ce voile, oui. C'est une beauté qui revient du ciel. C'est comme une étoile qui descend sur terre et ça illumine autour d'elle. C'est là que tu vois. Il y a le soleil, et pourtant le soleil couchant, mais en tout cas, les rayons brillent encore autour de nous. Celle-là, c'est l'avenir de toute une famille. C'est mon diamant noir. Si je te dis tout, c'est celle-là qui bat le cœur de tous les hommes. Et lorsque je sais que lorsque tu la regardes, ton cœur bat la chamade avec la nation de Jacques du Saint-Esprit. Elle est là. Puisqu'elle est là, je pense que l'odeur de son parfum qui est suave t'atteint. L'odeur est beaucoup d'odeur pour attirer. Oui. Une odeur, comment, énigmée. Tu vas dire que je parle beaucoup, tu regardes celle-là. Avant de voir le voile, regarde comment elle est étouffante. Voilà! Voilà! Bien dormi, hein? C'est ça même. Tu as nourri. Voilà. Waouh! Elle a un problème de faim. Si tu le couvres, son sourire. C'est un sourire angélique. Ouais, oh, je ne peux pas t'en passer de ce sourire. Oh, oui, je suis Seigneur. Viens d'abord découvrir les mérites de tout ce que tu diras que même ce que j'ai dit là, c'est petit. Ouais. Viens enlever le voile. Voilà, c'est ça. Viens enlever le voile. Bon, là tu m'as trompé. Ça mérite encore une pénalité. Mais fais ton nom. Il a fait ton nom. Je vais le voir. Ok, merci. Là, c'est ton nom, hein, Michel. Je t'ai dit. C'est parti. Allez, gratis, Péo. Péo. Voilà. Permettre l'entracte justement pour ce petit. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ton mari. Michel, après tu mets les organes là pour moi. Alors c'est toujours nous attendre. Yeah.
mon fils, c'est une identité remarquable. C'est une icône. C'est l'extravagance. C'est le sommet. Donc, merci beaucoup. Vous-même, je n'ai pas besoin de faire le commentaire, il est là devant vous. Maintenant, je vais demander à ce charmant garçon, Monsieur Mathias, vous avez donné le mérite de votre fils. On va d'abord l'applaudir. Ça, c'est votre beau fils, ça peut lisser. Merci. J'aime toujours. DJ. Quand je. Non, attends, DJ. Mon beau fils est sorti avec. Tu es parti, oh, tu ne suis pas un nom. Monsieur Mathias, tu sais que j'étais vantard quand j'étais petit. Et jamais la musique. Et quand le tympan rentre dans mon cerveau, ça reste comme une école. Merci pour la mélodie. À toi l'ami, la parole. Merci beaucoup. Bah, nous tous, hein. Si tu m'avais vu dans mon enfance, c'était de l'éclat. Donc, je vais demander ici à mon fils d'aller dévoiler le visage de sa tafoule. Yes! On te met les organes. Attention. Bonsoir à tous. Bonsoir. Maman Michel, c'est ainsi que je t'appelle. Me voilà aujourd'hui, devant Dieu, devant le Saint-Esprit et devant la nature. Devant nos parents, nos frères, nos amis et nos parents spirituels. Ce soir, aujourd'hui, c'est Dieu qui a institué ces moments, c'est ni toi ni moi. Nous voilà aujourd'hui. Voici ce que nous avons apporté à toi et à ta famille. Je vais te demander une chose symbolique. Tu as tous ces présents devant toi. Il te revient à toi de les accepter. Voilà, dans ma main, je tiens une pièce et un charbon. Je te laisse aujourd'hui le choix de décider si tu veux bien accepter tout ce que nous t'avons apporté à tes parents ce soir. Ton acceptation à tout cela va traduire tout ce que nous avons traversé et la sincérité de notre amour. Alors, à quel point je viens de déposer du charbon et cette somme. Donc, la décision te revient. Si tu prends le charbon et tu prends la pièce de 500, à toi. Gladys, tu prends le charbon et la pièce. Tu as encore le temps. Tu es devant ton bonheur, ton malheur,
devant ton cœur. Écoute ton cœur. Il y a beaucoup de hommes qui c'est pas quelqu'un qui te fait ce c'est là. C'est toi-même qui décides. Oh ma force, tu es devant ta destinée. Pardon. Il faut réfléchir, il y a beaucoup de hommes encore. Romial, l'homme qui m'a accepté tel que je suis. Amen. J'accepte, si ton père l'a accepté, c'est pas moi qui ai le dernier mot, c'est ton papa qui parle chez toi. Gracias.
Papa, maman m'a encore renvoyé chez toi. Car c'est toi le chef de famille, c'est toi qui as le dernier mot. Si tu dis non, tu seras responsable de ma souffrance. Je suis là-bas, tu vas souffrir. J'accepte ce présent. Pas entendu des cris, des applaudissements, des encouragements pour manifester quelle est son oui-là. On vient de te voter, on vient de te dire oui. On ne ment pas. Je suis vraiment très déçu de ce que tu peux. On ne ment pas. On ne ment pas. Je suis là, je suis là. C'est l'excès de joie qui a fait qu'il se déplace un peu, je crois. Autant il est en joie, autant je suis en joie. Monsieur Paul. Tout à l'heure, quand on a commencé cette cérémonie, j'ai bien demandé la bénédiction des mâles de vos ancêtres. Mais si c'est lui qui commence à se fâcher, je crois que les ancêtres vont dire, c'est comment ça? Non, monsieur Paul, je veux de sa présence ici, s'il vous plaît. Monsieur Mathias, oui, monsieur Paul, je voudrais accepter votre sourire narquois, mais simplement que vous me traitez comme un étranger. Je pense que je vous reçois dans mon village à cœur joie. On vous a applaudi. La preuve, la mélodie que tu m'as amenée a touché la sensibilité de mon cœur. Donc, pour ce faire, j'ai à beau donner le mérite de cette femme, mais je veux plus que ça. Et tu sais que Saint-Génie, c'est la mère des chevaux. Donc, elle devrait avoir un traitement particulier. Je t'écoute. J'ai suspendu mon émotion. Je m'assois et je te donne la parole. Merci de me donner la parole. Nous allons poursuivre notre événement. Ma belle-fille a accepté de venir épouser mon fils. Et solennellement, elle a parlé. Elle a accepté, son père et sa maman ont accepté les présents que j'ai amenés. Donc, je vais me faire le devoir de les libeller devant vous. Vous avez ici les liqueurs. Et s'il y a quelqu'un là pour me compter le nombre de pailles, s'il vous plaît. Un 4,
26. Il y a 26 pailles. Ok, comme les liqueurs. L'établissement est déjà fermé. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. La mienne, c'est une autre. Ah, ok. La mienne, la mienne. D'accord. 14. Quel est fou là? Vous en avez ici. Non, c'est bon. On n'a pas besoin de bétail, c'est bon, les foulards. Et là-bas? Ici, c'est le... La tenue de maman, et oui. Ici, c'est la tenue de papa. D'accord. Merci. Bon, je vais te rappeler, on va trouver la solution. Ça, c'est le sac de maman. Bon, ça. La tenue de papa. Avec les chaussures qui sont là, et le chapeau. D'accord. Ici, nous avons deux haches, deux machettes et deux couteaux. On s'appelle le matin. Non, je vais travailler demain. Demain, je travaille. Ici, nous avons oui, mais dès que tu es libre, des boissons. Oui, on voit dans quelle condition des on va se retrouver. Je n'ai pas envoyé quelqu'un vers toi. Je n'ai pas amplement. Coca, c'est ça. Genoa, hein. Voilà. Il y a combien de canettes là? Il y en a 6, hein, je crois. 6 canettes. Et là, nous avons des bières. Enken. 6 cartons. Ouais, 6 cartons d'Enken. Ici, nous avons 2 lampes, 1 seau. 2 seaux. Ah oui, il y en a 2. 2 seaux. Ouais. 2 tissus de raffia. 2. Deux limes. Deux têtes de tabac. Deux pipes sont là. Deux moustiquaires, deux couvertures, deux bidons de vin, deux damjans de vin, deux sacs de sel, deux cartons de poisson salé. Deux bidons de pétrole de 5 litres. Pour les lampes. Pour les lampes qui sont ici. Ok, merci. Bon. Deux cartouches d'allumettes. Deux casseroles. Deux gros robots, comme on appelle, hein, c'est des casseroles. Et le nerf de la guerre. Oui, ça fait 100 000. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ça fait 200 000. Okay. 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ça fait 300 000. Dix, vingt, trente, quarante, cinquante, soixante, soixante-dix, quatre-vingts, quatre-vingt-dix, ça fait 400 000. Dix, vingt, trente, quarante, cinquante, soixante, soixante-dix, quatre-vingts, quatre-vingt-dix, cent, ça fait 500 000. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ça fait 600 000. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 700 000. Monsieur Paul, voilà ce que j'ai prévu. Merci. En conciambule avec toute la famille, mais ils ont doublé la somme que tu as déposée. Ils ont dit, fais encore un effort considérable parce qu'on sait que tu es quand même un capitaine des armées. Permettez-moi que je me retire un tout petit peu, s'il vous plaît. Ah, là, tu m'as vidé les poches. Hein. Je ne sais pas ce que je vais faire pour retourner avec mon bateau. Mon fils, oui. Ça fait 200 000. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ça fait 300 000, monsieur Paul. Papa Mathias, oui, tu donnes la compte goutte. Compte tout haut, tu déposes. Mais toutefois, lorsque j'ai fait le tour de ta marchandise avec mon regard de félin, j'ai constaté qu'il y a des choses qui manquent. Ce qui manque là, ce sont des éléments ambulaires dans la dot en coutume Zébi. Pourquoi ? Toi, tu as manqué d'argent. Je ne sais pas si c'est moi qui ne sait pas voir où tu as caché ces éléments. Je ne vois pas ça. Fais encore le tour et présente-moi les éléments là. Un élément qui manque. Pourquoi ? Je te donne la parole. Il a climatisé 3 étages, tu as manqué d'argent. Monsieur Paul, vous devez me préciser l'élément qui manque pour que je le sache. D'accord. Je m'en dis. Un ignorant, on ne fait pas semblant avec un ignorant. Mais je n'ai pas dit que tu étais ignorant, mais tu viens en terre étrangère. Donc, il y a chez nous ce qu'on appelle le zoulou, le plomb. Cette masse sphérique avec un dessin très particulier. Ce dessin-là, c'est l'homme, les composants de l'homme. Présente-moi ce dessin. On appelait ça la pierre polie. Merci. Permettez-moi que je me retire un instant.
toujours, mais pas beaucoup d'instants. Merci beaucoup. J'avais parlé d'une maîtresse qui manquait. Je parie que c'est l'enclume. Voilà l'enclume, j'ai fait le tour, j'ai regardé, je n'ai pas trouvé, mais j'ai prévu la compensation de cet emploi. Toujours revenir un peu parce que tu es allé plus vite. Je ne te sermonne pas, mais à une étape que tu as survolée. C'est pas d'aujourd'hui que tu as pris ma fille. Est-ce que tu as quelque chose à me dire par rapport à cette étape très importante? Mais comme tu vas un peu plus vite, attention, nous sommes des amis. Monsieur Paul. Oui, monsieur Mathias. Oui, merci de me rappeler. C'est toujours comme ça. Vous savez que les vieux que nous sommes parfois amnésiques. Nous avons des problèmes de rétention. Donc par rapport à ce temps que vous me faites état, c'est vrai. Votre fille est restée avec mon fils. Il y a eu une première étape où ils ne vivaient pas ensemble. C'est-à-dire qu'ils vivaient séparés. Chacun chez lui, mais ils se fréquentaient. Après, ils se sont rassemblés. Bon, par rapport à cela, je vous demande de bien vouloir accepter le prix que je vais donner par rapport à cette durée. Causez-nous les dépenses. Bon, M. Paul, il y a un adage qui dit chez nous, attachez-moi les mains, mais pas les pieds, pour compléter ce qui manque. Merci. Monsieur Mathias. Oui. Vous savez, c'est vous qui êtes militaire, je ne suis pas militaire. J'ai comme l'impression que vous m'imposez ce que vous voulez, mais vous ne faites pas ce que nous avons voulu ensemble. Et les civils aussi ont leur armée, l'armée terrestre. Donc quand vous dites accepter, vous ne plaidez même pas, vous dites accepter. Et j'ai accepté depuis. Mais là, c'est difficile d'avaler cette pilule. Je te demande de continuer la cérémonie, mais on va se retrouver en e-box pour faire en sorte que les écritures soient respectées et dans un délai précis.
Merci, monsieur Paul. Je vais m'excuser d'abord parce que j'ai un langage parfois qui ne nous quitte pas. C'est nous, les hommes, sous le drapeau, parfois, un langage qui ne plaît pas aussi bien. Pardonnez-moi s'il y a des manquements là-dessus. C'est pas que je ne tiens pas compte de ce que vous dites, c'est peut-être une maladresse. Bon, qu'à cela ne tienne, par rapport à tout ce que nous avons fait là, je vais vous remercier. Je vais vous remercier infiniment d'abord de m'avoir accepté avec mon caractère écorné. Parce que ce n'est pas forcément ce que vous voulez que nous on a fait, parce que nous sommes de cultures différentes. C'est pourquoi au départ je vous ai demandé de bien vouloir me pardonner s'il y a des manquements. Parce que les cultures ne sont pas les mêmes. Donc, comme tu venais de le dire, les petits manquements qu'il y a eu, on va se retrouver en inbox pour accorder les violons. Je crois que c'est la meilleure solution. Hein? Donc, par rapport au remerciement, trouvé ici. Ce présent. Et le sopin. Merci. Merci infiniment. Là, ça tombe bien. Il y a longtemps qu'on vous attendait. C'est Dieu qui vous a envoyé ici. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de notre rencontre. Je voudrais vous remercier à tous, à chacun d'être venu en grand nombre en ce lieu, prendre part à cette grande cérémonie. Mais la cérémonie qui vient de se passer a été une sorte de texture théâtrale, d'autant plus que mon collaborateur et moi, nous nous sommes accordés pour que les choses se passent dans les conditions souhaitées. Monsieur Paul, oui. Donc je n'ai pas autre chose à dire. Les ancêtres Nzébi nous ont encadrés jusqu'à la fin de la cérémonie. Merci bien. Encore une fois. On applaudit encore pour lui.
Yeah.
Merci Didier. Cette séquence, simplement que lorsqu'on épouse une femme, j'ai amené le bien matériel, je te reçois dans mon village avec de quoi manger et boire. Le manger, c'est ça. Okonugwa. C'est ça. Et le poisson, Benva. Il y a le Benva, Eda. Il y a un peu de viande. Parce que nous sommes dans un endroit stratégique. On n'est pas obligé de citer. Tu regardes seulement. Parce que nous, au village, on vit avec ça. Maintenant, on ne peut pas manger le poulet. Le poulet, c'est une viande de luxe. Et voilà, chez nous, ça, c'est la viande du terroir. Que tu m'amènes à manger, c'est moi qui te donne à manger. Quelle qu'en soit la quantité, voilà ce que les hommes de Bigou mangent. Le gros manioc. C'est ça. Avec le tubercule. De très bonne qualité sucrée. Que ça soit cru ou préparé, tu ne regretteras pas. Donc voilà un peu notre rencontre. Et quand la belle-mère te donne ça, c'est l'amour, c'est l'estime. Ah, ah d'accord, ok. Alino, abodi, grache, manani, nani. Alino, abodi, grache, mebo, ani, nani. Avec le son de la question. Tu peux aller dormir le lendemain. Tu as la question de demander de te garder. Pour ceux qui de près ou de loin ont lu cette idée-là, silence s'il vous plaît. Je vous remercie énormément. Mais il y a un dicton là-bas qui dit la plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. Je ne peux pas donner par rapport à l'évaluation tout ce qui est au sommet. C'est vraiment beaucoup. Alors donc je vais demander à ma belle famille, encore une fois, d'accepter ce que je vais leur donner. Merci. Donc, papa Mathias, oui, je voudrais rebondir juste pas pour compter, mais juste pour dire, ça c'est le plat de la belle-mère, quand tu manges, les restes sur la table, tu emportes, mais c'est pas le dépôt de la femme, tu comprends? Voilà, c'était juste là. Merci. Merci aussi à toi. Et pour la suite, on va débarrasser le podium. Parce que la mariée va venir retrouver son conjoint.